Bonjour tout le monde, c'est Nage Cube. Alors c'est la première fois que je découvre ce genre de bâtiment. Ça se passe dans le Nether. Alors j'ai repris une ancienne version de Minecraft, et je suis toujours dans la version 1.5, mais c'est une ancienne sauvegarde d'un dossier que j'avais archivé pour traiter un dossier, enfin pour bidouiller une ancienne version de Minecraft. J'avais sauvegardé, puis depuis j'avais complètement oublié. Et je me suis baladé dans le Nether, je me suis un peu ennuyé, j'ai voulu jouer un petit peu, et j'ai découvert ce genre de pont. Je ne sais pas ce que c'est, pourquoi ce pont est là, mais en tout cas il n'y a rien. Il ouais, n'y a rien du tout. C'est assez bizarre. Alors moi je me dis, bon, c'est comme ça qu'on découvre du bois venant du Nether. Moi je ne savais pas qu'il y avait un bois dans le Nether, vu que dans le Nether, à part de la lave et des cubes ensanglantés, moi je. Ben pour moi, ce sont des cubes couverts de sang, vu que le monde du Nether, c'est le monde diabolique, c'est le monde de Satan. Pour moi, c'est. Attendez, voilà, mettre en phare, on va voir si c'est mieux. Non, c'est pas mieux, hein, c'est. Mettre un short. Voilà, non, c'est moins bien. Allez, go, normal. Voilà. Alors, je vais aller un peu plus loin. Mais on dirait un petit peu labyrinthe. On dirait un château, c'est assez énorme, c'est la première fois que je découvre ça. Hop. Voilà. C'est une grosse surprise puisque sincèrement je ne pensais pas du tout que ça existait, ce genre de monument. En plus c'est grand, vous voyez, c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous aussi vous avez découvert ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Y a rien là? Non, mais c'est quand même grand quand même. On dirait une mine abandonnée. Ah, d'accord. La première fois de ma vie que je découvre un donjon. C'est quoi déjà ça? C'est des. Je sais plus comment ça s'appelle. Des magma cubes, voilà. D'accord, un donjon de magma cube. Très bien. Voilà. J'ai découvert pour la première fois de ma vie dans Minecraft un donjon de magma cube. C'est assez inédit, je trouve. Mais le. Si, je suis perdu. Ah, c'est là-bas que je voulais aller, voilà. Il dirait que là-bas aussi il y en a un autre. Avec des champignons de tous les côtés. En fait, c'est peut-être. Comment expliquer ça? Un château ou. Une mine de. J'ai pas trop comment appeler ça. C'est quoi ce bruit? Hop là. Bon, j'ai l'air de rien. Mais c'est vraiment gigantesque. C'est très très grand. Et on s'y perd. Je vais là-bas. Moi qui pensais que le Nether s'arrêtait avec des zones de lave, des lacs de lave partout à tout bout de champ, mais non, voilà. Alors je suis bien sa version 2.5, comme vous pouvez le voir, oui. Mais j'avoue, ça me. Ah, mais les magma cubes, il y en a aussi là-bas. Moi je pensais que dans les heures il y avait seulement des squelettes, des zombies squelettes, ou ce sont des cochons zombies, je sais même plus ce que c'est. Et des magma cubes, il y en a aussi. Voilà. Donc en fait je suis parti d'ici. Et je me suis baladé, puis j'ai découvert ça. Voilà. La zone des magma cubes.
C'est énorme. Et vous voyez, Minecraft ne cesse de m'étonner à chaque jour. Avec l'agrandir. Avec des terrains qui sont quasi infinis. Puis c'est quoi ça là-bas? Vous voyez un peu comment c'est construit? On dirait que sa pâte est finie. En fait, ça t'est généré tout ça. Mais on dirait que sa pâte est finie. On dit que la génération est totalement aléatoire. Ou alors, elle a été prévue pour. On dirait que Mojang a généré ce genre de monde-là pour dire voilà, c'est une espèce de château ou d'allée qui mène à. On va dire à. Oula! Qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là, c'est énorme. Je vais aller là-bas. Ouais, plus vite en volant, c'est mieux. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, toi? T'es perdu? Pas y aller là. Là, pourquoi il veut pas? Non mais ça c'est inédit. Et ça me fout les jetons. Ça me fait un peu peur quand même. Je réfléchis pourquoi et quelle est la raison pour ce genre de bâtiment. Alors ils ont voulu instaurer ils ont voulu instaurer une zone qui est dédiée au magma cube. Mais c'est vraiment sympathique. C'est vraiment vraiment sympathique. Et puis c'est bien fait. Hein? C'est propre, la texture est propre. Voilà, on monte dans le château, puis on s'aventure. Et là, c'est vrai que j'imagine bien une genre de quête dans Minecraft. Des quêtes. Là, le jeu serait vraiment bien, bien, bien. Dans le sens où, voilà, on s'aventure dans les donjons, mais il y a un donjon. Voilà, on sait qu'il y a des donjons, on sait qu'il y a des mobs qui peuvent apparaître. Mais malheureusement, il n'y a que ça. C'est ça en fait que je vais vous expliquer. Et Minecraft est bien comme il est vide par moment, et c'est dans ce vide-là qu'on se dit c'est tout. Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi il n'y a pas plus de choses qui méritent d'être implantées? Voilà, Minecraft, c'est. Même si moi je n'aime pas le replay, mais je trouve que Minecraft c'est du replay à 100%. Avant d'être du PvE à 100%, c'est aussi du replay. Et du replay, c'est de s'aventurer, c'est connaître aussi les zones. Tuer différents ennemis et puis connaître le monde tel qu'il est, que ça soit le monde naturel, la nature, la forêt ou le monde du Nether. Voilà. Mais sinon le monde cubique des magma cubes est assez bien fait et la génération des on va dire de ce genre de. Oula, c'est quoi ça? Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Derrière, il y a magma cube. C'est quoi ce truc? Mais ça, c'est quoi ça? Bah oui, c'est un genre de château pour les. Alors, c'est bien les pigs zombies, un truc comme ça, non? Voilà. Ce sont les pigs zombies. Les cochons zombies. Mais c'est quoi ce truc? Je suis où là? Je suis à Minecraft là. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie.
Bon, les cubes, j'ai vu, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monstre? Alors nous avons les magma cubes. Ah oui, je pense que je sais ce que c'est. Nous avons, vous savez très bien qu'il y a aussi il y a les slimes, les gros cubes de slime ou quand vous les cassez, eh bien qui font pop, qui font apparaître, parce que pop dans le jargon des MMO, ça veut dire apparaître, des petits cubes de slime. Alors je pense que le cube que vous voyez devant moi, juste ici. En fait, font peut-être pop des petits cubes, comme cela, des petits magma cubes. Alors, je n'ai pas envie de tester, j'ai envie de laisser le mystère pour le moment. Et puis, on verra bien d'ici une prochaine vidéo comment. Quel sera le. Par définition, ce genre de mob. Si c'est un mob. Oula! Oula! Quelle tête! On dirait un gros creeper. On dirait le creeper du Nether. Et tiens, c'est pas con comme idée ça. Pourquoi ça n'existe pas un creeper du Nether? Faut contacter Mojang tout de suite là. Pourquoi ça n'existerait pas un creeper du Nether?